TF est ban, je vais ban Lulu. Surtout si je veux jouer Kindred. Et on va garder ces petites runes là, presse d'attaque sur Kindred, Stacked et Relentless, Chipshot. Prend des runes vraiment très fortes en early. On prend l'attaque speed ici, on va faire beaucoup d'AD. Et là faut que je prenne l'armure quand même, avec Kindred pour le clear, t'en as besoin. Allez les frérots, go slay cette game. Faut que je joue topside, hein. J'ai un très bon setup de gang sur les deux lanes, c'est free abuse. On dira bot aussi quoi, mais... Bah c'est parfait, hein. On a vraiment un bon pick dans notre draft quoi. Va falloir jouer très speed, si on prend les bonnes décisions on peut très rapidement slay la game. Les amis, c'est parti. Machette and slay, let's go. Ils sont forts au niveau 1, ouais mais nous aussi t'inquiète mec. On a Karthus, le blanc, Kindred pack. On peut très facilement one shot, hein. Matchup est à l'avantage de Fiora, mais skill matchup contre Renek Poppy. Ah ouais, oh putain, y'a Kane ici. J'ai ma marque là-dessus en plus, hein. J'ai ma marque Iether là-dessus. Marque Iether à 1 minute 10, ça met plutôt bien en vrai. Oh, je sais pas s'il avait son smite. Je vous ai dit les gars, il faut prendre des runes pour l'early game. Regardez le chat en bas à gauche. Je sais pas pourquoi le Kane est going, enfin... Il joue Dark Harvest, je joue Press the Attack, Kindred, Red Buff. Mais bon, vu les lots de la game, ça doit pas être open. J'hésite à prendre mon Q là, niveau 2. Vous savez que c'est peut-être le smart choice, hein. Ouais non, je vais pas le prendre. Je suis vraiment en range de tourelle là, je comprends. Enfin, je comprends pas. Je suis en range de tourelle. C'est pas possible. Ah, et le Karthus type un smiley alors qu'il est mort en 2v2 en commençant avec le First Blood. Ah, ouais. En vrai, les gars, faut que je joue plus souvent Kindred. Les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin que les personnes présentes sur ce chat, quand je ne sais pas trop quoi jouer en jungle, en smurf et tout, me rappellent de jouer Kindred parce que j'adore Kindred en fait. Et en vrai, c'est. Bah, c'était l'un de mes meilleurs picks. La première fois que je suis passé de Charles dans ma vie, genre il y a 3-4 ans, c'était. Je jouais énormément Kindred. Ils ont vraiment open, hein, je suis surpris. Ça met vraiment bien la game en D2, hein. Au moins, on est remboursé des étrons qu'on a eu avant. Faut que j'aille dive top là-dessus. Attends, les dégâts de la. Elle a stacké la wave, elle a pris un bon trade. Bon, après, c'est Garen, mais bon, j'ai Red Smite. L'important, c'est vraiment de le tuer. S'il y en a un de nous qui meurt aux F. Je vais faire un back warrior, je vais passer par le mid, prendre la marque. Ah, nice game, hein. Ça le met plutôt bien cette partie, je pense. Go freeze là, c'est fine. Ah, il rejoue. Là ils auraient dû abuse freeze. Enfin j'ai 5 marques à 7 minutes, c'est ridicule genre. Là mon perso est complètement overtuned par rapport à ce qu'il doit être. J'ai mon R s'il faut aussi les gars. Eh bien je crois que c'est une victoire. Je vais aller au red buff ennemi. Et c'est un back Warrior Berserk. Bah des games super intéressantes aujourd'hui, hein. Merci à ça. Merci à Riot. Ça fait plaisir les frérots. I will Herald. Ouais, je vais faire le Herald là, ils ont vraiment open. J'ai mon Giga Spike. Après, il m'a marqué éthérisé lui.
Je pense que c'est bien là ce que j'ai fait parce que en faisant ça je pull la wave. Mais c'est pas trop grave que je perde des HP. Enfin, j'ai 8 marques à 9 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a aucun sens, genre. Ah, j'aurais pas dû flash. En vrai, d'autre, je pense que là, j'ai mal joué. Hein. J'ai pas besoin de flash, normalement. Qu'allons-nous prendre comme objet? Nous allons prendre contre leur team. Vu qu'on veut finir la game, de l'attaque speed. De la vitesse de attaque avec un petit peu de crit pour flip. Et un élixir. Ah, je peux pas acheter d'élixir, je suis pas niveau 9. Mec, quand t'es pas niveau 9, tu peux pas acheter un élixir. J'avais oublié ça. What the fuck? Bah, le mieux qu'on puisse acheter, c'est une Doran Blade avec une pink. Que pensez-vous de cette session shopping? Après, j'aurais pu prendre une BF et de l'attaque speed, mais bon. J'ai envie de flip un peu de crit là. Trop vite le Herald qui n'aurait en plus. Bon là j'ai... Enfin j'ai 9 marques à 10 minutes, c'est n'importe quoi tu vois. J'ai 9 marques Yeter à 10 minutes, c'est illégal mais... De manière générale, Kindred ça fait giga vite les objectifs. Bah j'espère que cette game vous met bien les gars. Très intéressante du coup. Attendez les gars, si je mets mon repos de l'agneau sur le Herald, il peut pas mourir. Mais la tourelle prend quand même les dégâts. Genre je vais essayer sur la T3. Le Kane est très très tilté, il veut qu'on prenne notre temps pour finir, juste parce qu'il est tilté de sa team. Merde, je vais pas pouvoir faire mon test. Il est bugué, il prend pas de dégâts. Attends, vous avez vu? Attends, il a pas pris de dégâts le Herald. Attendez, le Herald n'a pas pris de dégâts même avant mon R. Ah, le bard il ulti la tour. Non mais c'est grave hein. Ils sont tellement tiltés qu'ils ont envie de se faire perdre du temps entre eux genre. J'ai failli reprendre l'aggro avec le Red Smite. Ah, c'est le canon qui tankait. Ah ouais. Ah, je suis chaud du coup. Open. Tutulut open. Attends, Targamas, ça va pas le tuer? Ah! Main pack, c'est ça? Ah, ok, Targamas. Ça marche, frérot. Ok. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc Targamas rank 1 pike du serveur, c'est ça? Ah, je crois que c'est bien ça, ouais. Ah, my bad, je suis mort cette game. C'est vrai que j'ai 3 morts. Hein. Après, j'ai 4 niveaux d'avance en jungle. Hein. Sur le Kayn AFK. En vrai, il est quand même niveau 5. Comment il a fait pour être niveau 5, le Kayn? Je crois qu'il a pris l'XP des waves au mid. Il m'a mis bien en tout cas le petit Kayn. Wanna see a hat trick?